114 entreprises publiques, industrielles, agricoles et d'élevage. Où sont passées ces entreprises? Toute l'Afrique de l'Ouest venait acheter les tôles chez nous. Toute l'Afrique de l'Ouest venait acheter les cahiers chez nous ici. L'imprimerie Patrice Lumumba. On avait une usine textile, 42 millions d'écus à l'époque. Le président a fermé, il a pris la clé, il l'a mis dans sa poche. Nous avions le train qui faisait Conakry-Cancan. On avait deux bateaux, on avait 9 avions, dont 5 Boeing. Eh bien oui, on avait des scieries à Zérékoré, à Massanta. On avait une usine de thé, on avait une usine de tabac et allumette à Anta. Anta, c'est l'entreprise nationale des tabacs, ce qui a donné le nom à ce quartier. On a créé une forêt pour avoir l'arbre qui produit les allumettes. On avait le centre pilote. C'est là-bas où on a fabriqué la machine à faire l'huile de palme qui fait que la Sierra Leone est aujourd'hui une des plus grandes exportatrices d'huile de palme. La machine a été fabriquée à Antaïs. C'est grave. On avait des huileries à Dabola et à l'huile de Kassa. On faisait du sucre à Koba chez toi. On produisait du sucre en Guinée. J'ai vendu 500 000 litres d'alcool produit en Guinée au Nigeria en 1982. J'ai vendu des venins de serpents. Vous avez bien entendu, des venins de serpents en cristaux fabriqués à l'Institut Pastoria de Kindia. On élevait des serpents venimeux là-bas. On prélevait leurs venins. On cristallisait et c'est à l'Institut Pasteur de Paris que je l'ai vendu. On produisait le chlorhydrate de quinine à Sérédou. J'en ai vendu 80 tonnes à Sanofi. C'est la plus grande industrie pharmaceutique française. J'ai vendu la bauxite en excès de l'Obeka de Kinia à la Roumanie. Et c'est cet argent qui a servi à construire l'hôpital Jean-Paul II. En fait, Jean-Paul II n'est pas un hôpital. C'est un centre de formation sociale appliquée. On devait former là-bas les assistants sociaux, les kinésithérapeutes, les orthopédistes, les travailleurs sociaux spécialisés sur les différents types de handicaps. Ce centre-là, c'est un centre de formation. Il y a un jardin d'enfants là-bas. On devait former les jardinières d'enfants et les maîtresses d'école maternelle. On a tout bradé. C'est pour cela qu'il nous faut revenir à l'éducation. Quand on a signé l'accord de Kamsa, en 1971, on a ouvert l'ENAM. L'ENAM a été ouverte par Israël. Allez demander. C'est Israël. Pourtant, on était en bagarre politique à l'époque avec Israël pour l'affaire de la Palestine. Mais Golda Meir, qui était le premier d'Israël, était une amie du président Sékou Touré. Ils ont dissocié la politique de l'intérêt de l'État. Parce que vous oubliez quelque chose. Un État, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'intérêt personnel. Un État, c'est un État. Il y a 10 000 présidents français qui vont venir, qui vont combattre la Guinée. Parce qu'on leur a enlevé le beurre de la bouche. C'est Golda Meir qui a signé l'accord pour qu'on construise l'ENAM. Et c'est là-bas où on a formé les cadres techniques de Kamsa. Allez-y, c'est la seule usine en Afrique de l'Ouest où 85% des cadres techniques supérieurs sont locaux, ils sont guinéens. C'est pourquoi pendant la période d'Ebola, on n'a pas fermé Kamsa. Moi, j'étais en Sierra Leone. Toutes les grandes industries ont fermé. Le Libéria a fermé toutes ses industries. Parce que c'était des expatriés. Nous, on n'a pas fermé. Parce que c'est des Guinéens. Mais dès qu'on a mis la construction de l'usine en place, on a mis une école pour former les cadres qui vont gérer l'usine.
à Mamou, on avait une conserverie. À l'abbé, il y avait une usine pour produire les huiles essentielles. J'ai vendu 600 litres d'huile essentielle produite à l'abbé à Grasse, dans la banlieue marseillaise. C'est là-bas où on fait tous les parfums du monde, tous les extraits de parfums. C'est à Grasse, c'est la centrale d'achat pratiquement européenne en particulier, mais mondiale en général. J'ai vendu 600 litres d'huile essentielle produite à l'abbé à Sirépa. Parce qu'il y avait une usine qui produisait ça. Alors, on a vendu tout ça, on a fait quoi? On a jeté le bébé et l'eau qui servait à le laver. Il nous faut revenir aux fondamentaux. Dans un pays, la première chose, vous savez ce que la Chine a fait? Quand moi j'étais gosse, quand on disait qu'un produit est chinois, on dit pardon, c'est de la pacotille. Ce n'est pas aujourd'hui les Occidentaux qui prennent leurs avions et leurs hommes d'affaires pour aller commander des choses en Chine. Vous savez comment la Chine a fait? Elle a envoyé des étudiants dans toutes les grandes universités du monde. Daytona Beach, c'est la plus grande université aéronautique aux États-Unis. À Toulouse, vous avez la plus grande université aéronautique européenne. Vous allez vous trouver des Chinois là-bas. L'école polytechnique de Paris, vous trouvez les Chinois. L'école polytechnique de Lausanne, vous trouvez des Chinois. Georgetown à Washington, vous trouvez des Chinois. Ils ont envoyé des Chinois partout. Vous étudiez, vous revenez dans votre pays. Ce que vous avez vu là, vous copiez chez vous. C'est comme ça que la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Nous, on blague avec. Nos enfants arrivent en cinquième année, ils ne savent même pas lire et écrire.